Gen yon dossier qui a factualité, m'a pote en précision sur lui, en clarification avant de passer sur dossier qui concerne nous là. Gabriel, baron wine, non papa. Tenez bien, qui sa dossier en yé, c'est que mon réseau social yo envahi tout réseau yo dernier temps ça yo avec yon question Balthazar. Mais ti précision m'vle porter sur dossier ça. À ce qu'on a le bail yo passé sur réseau yo, gagné en pile moun k'ap commenter. Yo parle ça yo konnen, yo parle ça yo pa konnen tout, yo fait un pile piqué voye monter là-dedans et cetera. Pour balancer que c'est pas yon fake, son bagay ki réel. Pour balancer qu'on est maintenant qui citoyen ça dans voix Wilkie Toussaint. On m'a bien souhaité Wilkie ba yon ti vidéo complet sur Balthazar sa vie. Est-ce que nous connaissons l'histoire Balthazar, li répète à Haïti? Il ne doit pas gagner même ampleur, là, pas gagner même dimension. Mais le répéter, grand pile bagay qui a passé dans la communauté, c'est le gen scandale pour nous connaître. Qui est-ce qui t'a imaginé l'histoire de P. Diddy ici aux États-Unis? Nèg ça tout, c'est lavage li fait, mais dans l'autre niveau. Parce que monsieur lui-même, pour le faire palio, justement, lui, soit mette moun yo dans condition pour yo pas reconnaître tête yo, etc. Ou bien, lui fait en série de blousaï tout avec Timoun, qui différent de Balthazar, que tout moun Balthazar servi à qui yo, son paquet moun, justement, qui consentit, qui d'accord pour faire ça. Mais, qui ça, justement, bagay lan ye? Pour qui ça? Première question opposée. Comment Balthazar fait à l'aise comme ça? Monsieur agit à un acteur. Comme si un acteur, film grand mounio, comme si monsieur habitué fait ça, monsieur son acteur. Deuxième bagaille, monsieur à l'aise ni lui-même ni mounio. Comme si mounio senti yo confortable dans sa affaire. M'a regardé un grand moun, mais même lui tellement confortable, on dirait c'est lui-même qui, m'y a c'est lui-même qui filme tête li, parce que le mettait, il vide le téléphone, nan, cool fini, et puis là, li ri, ou comprenez, et puis li ferme téléphone nan. Ça veut dire moun yo confortable, pas grand ken acte comme si forcing là-dedans. Et c'est ça pour garder, faut garder parti ça. Comme si moun gab di oui, image non, yo pas ça l'image moun yo confortable pour yo faire ba yo, comme si moun wè gon image qui prend la rue et puis gen droit c'est par jalousie ou bien c'est téléphone moun nan ki perd qui font wa et cetera, ou bien on est qui veut font méchanceté qui mettait on photo moun dans la rue sans que moun nan pat bay consentement pour ça. Ça sont l'autre détail. Maintenant vidéo monsieur yo moun yo mettez yo d'accord pour sen yo filmer correctement. Est-ce que koun ya monsieur te filmé yo pour te publier yo? Non. Peut-être jamais suivre action yo. Monsieur gen droit te gen ça dans plan à l'avenir parce que pas oublier jodi an site sa yo généré en pile l'argent, en pile cob. Monsieur gen droit te gen plan ça parce que monsieur gen droit lui-même, il doit pas choisir créer site là. Mais li ka vann image yo. Sans pile ba ka passe un mode là que moun baronnet. Gan pile ti jeune haïtienne là qui image yo vann à un série de sites que yo baronnet. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que site ça yo généré justement en pile l'argent. Eh ben monsieur peut-être c'était ça son projet. Alors on a essayé garder n'a guess. Peut-être c'était son projet. Monsieur gen droit te kap fè ça parce que là on garde déjà monsieur fait action yo, c'est comme si ouais son acteur kap agi. Ça veut dire monsieur justement et il était capable à compiler données ça yo pour la vendre en série de sites qui naturellement yo même a fait gros l'argent ak bagay ça yo. Maintenant, qui ça qui passé? Comment monsieur fait gen toute notoriété, gen toute autorité ça? Et c'est ça te fait me dire que Jory Arminius ça arrive en Haïti. Peut-être pas dans le même niveau, monsieur. Nous sommes un directeur éducation nationale, on son directeur départemental éducation. Nous sommes un baïsa qui te font, bon, pas si t'es non, monsieur, parce que nous quittons monsieur dans le Bali. Baïsa te font scandale. Nous sommes le te gagné un petit jeune sous port de paix qui te choisi à Vili directeur. Nous sommes un nègre dans le palais national qui te impliqué dans presque même scène scandale ça. Bon, nègre ça en degré puis aller plus loin. C'est bagay moun ka fait d'api yop sous moun. Nous songe, nom qui te directeur SMCRS là, etc. etc. Donc, gon paquet scandale qui répétait dans l'état déjà en Haïti.
Et grand pile bagay nan réalité Balthazar qui fait en Haïti que nous pas connaît. Mais yo là, peut-être, gen moun kounya k'ap réfléchi. Gen moun tout qui commence à effacer image que vous te gen, parce que vous pas connaît. Yo dit, ah monsieur, puis ganal prenne un coup Balthazar. Gen moun tout pas dormi. Parce que vous connaît justement, vous gen même réalité avec Balthazar. Et puis, yo pas vle. Gen moun nan l'état qui fait action ça yo. Et qui utilise ça comme chantage pour faire moun yo marché. Et ceci vice versa. Chantage comment? Et peut-être, Balthazar, c'est un élément qui fait ça tout. Il y a deux bagages comme ça dit là. Gombaga comme ça dit là. Me dit que ça t'est arrivé que projet monsieur c'était mettre un site campé, vendre image yo. Ou bien, kembe image ça comme chantage. Le kembe chantage le dit, ça dit puisque le déjà gen image yo, et le ça, li fait salve. Gon pasteur l'église adventiste haïtien ici aux États-Unis. Le monsieur rentre en Haïti tapis rouge ou le bouli. Nous songez dans qui qualité scandale monsieur était impliqué. Et ceci Timoun Bazage dans l'église là. Et puis monsieur justement la Balthazar yo. La Balthazar yo. Pasteur oui. Oui pasteur. Et ça m'dou. Donc gon paquet causé. Ça dit le moi mon a fait des blousards avec dossier Balthazar. Haïtien surtout, mais ça a répété déjà dans la communauté. Ça a répété. L'histoire de Balthazar, c'est parce que monsieur lui-même, c'est vraiment ces quantités, monsieur, quantité moun nan. Gengen, yo allé au-delà de 400 même, 400 moun, et c'est parti causé. Et une bagaille qui fait un pile moun suspect, c'est parce que Jean, monsieur, utilisé moun yo. Monsieur pas protégé. Gen moun qui dit monsieur ta malade, ben, yo confirmé que monsieur pas ta malade. Bon, si monsieur pas ta malade, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça veut dire que ça a répété en Haïti. Maintenant, nous t'a posé question, pour qui ça, monsieur, gen toute autorité ça? Eh ben, c'est parce que tout simplement, monsieur c'est un nèg qui c'est un cadre dans l'État. Dans petit pays centrafricain ça, Centrafrique ça, qui, eh ben, relé comment Guinée équatorial. Monsieur c'est un cadre, monsieur c'est un économiste, on est qui très formé, qui compétent. Eh ben qui ça monsieur fait d'ailleurs? Monsieur c'est directeur d'une agence et c'est pas n'importe agence, son appelé ANIF qui c'est Agence Nationale Investigation Financière. Tendez oui, comment t'es carré ça en Haïti? C'est une agence qui t'attend qu'on y crève en Haïti. Hein? C'est ça me déca dit oui, mais non niveau qui pire haut. Monsieur c'est qui est-ce dit lié? Monsieur c'est directeur ANIF. ANIF c'est Agence Nationale Investigation Financière. Kounya qui ça pral fait bal à tout non scandale qui sont déblosaï? C'est parce que tout simplement monsieur qui gagne qui c'est directeur ça, qui gagne toute notoriété ça que le gagne, monsieur c'est papa monsieur encore son l'autre gros chef, chef. Monsieur c'est amis président pays. Attendez bien la société. On est partenaire d'où il est l'ami de la police. Ça veut dire monsieur non seulement c'est à baf son petit détail devant ça et personne mon cher au moins d'où il crève. Hein? Même d'où monsieur a géré ANIF qui c'est Agence Nationale Investigation Financière. Donc papa monsieur a géré un lot entité encore et ses amis personnels président pays qui donc monsieur sont ti protégé pouvoir en place là. Kounya qui ça monsieur fait? Monsieur utiliser influence li, c'est exactement ça le trafic d'influence quelque part. Monsieur utiliser position, ndou nèg yo fait ça en pile en Haïti. En pile en Haïti, nèg qui dans l'état. D'ailleurs, même actuellement, là, il y a des bagages qui parlent, des qui disent là, dans le CPA pour jouer un tel poste, faut négocier, etc. Donc, ça arrive en pile. Monsieur utilise capacité, monsieur utilise position comme autorité pour le faire toutes mesdames au marché. Kounya, qui ça qui vient paraître bizarre, ou bien dit même intéressant dans le dossier? C'est parce que, bon, premièrement, monsieur parle de garçon, et mesdames, yo dit, monsieur bien campé. Dans ça, Lyon Zami, carrément l'éclat d'une tête, j'en m'a regardé, monsieur, mon cher, ma bon mentor, et mesdames, yon gen raison. Yon gen raison. Vous comprenez? On dit, mais ça qui passe là, ça gen, elle dit, oui, bon, m'a regardé par la tête. On tine pas la déranger, non? Oh, jeune fille, vous avez parlé, on dit, on tine pas la déranger. C'est ça qui arrive, mesdames. Yon gen pile nèg tout qui parle, c'est égri tout, contre Balthazar. Et ouais, on pas grand, yo dit bon, le au tabay là même côté m'teyé parce que ça va garder là.
mais qui ça monsieur fait? Monsieur utilise influence li pour le marcher sous toutes mesdames qui travaillent dans bureau côté lié a. Et ça qui est grave là, qu'est-ce que madame chef? Monsieur Barbe se compte sous madame président, madame ministre, madame directeur, n'importe, c'est pas Vignon qui pour sauver ou. Et ça te fait m'dou. Gen mesdames yo kale femme canal, c'est pas problème économique, mais c'est matériel monsieur yo pareil. Parce que yon dit l'autre, yon dit l'autre, yon dit, ah, bah bon, maintenant, déjà, là, j'ai un fou, oui. Et puis là, yon a le fond test. Parce que, gen femme que monsieur rive nan relation avec yon, moun sa ou pa gen forcément ou pa yon problème économique. Parce que c'est une série de moun qui se madame gros chef nan pouvoir. Eh bien, qui ça monsieur fait? Monsieur utilise compétence li pour marcher sur moun sa yon. Et ceci, en dans bureau monsieur qui trouve le nan ministère des finances. Nan pays ya. Son pays difficile. Son pays difficile, papa. Très difficile. Eh bien, kounya, qui ça te pral fait bala fon scandale pour m'pariter sous li en pile? C'est pas monsieur de publier image yo, pour yon soit besoin qu'on est. C'est pas monsieur qui publie image yo. Monsieur prend image yo, li mette yo, li compile yo, sous ordinateur personnel li. Pabliye m'dino, monsieur a géré une institution qui rele ANIF. Qui c'est Agence Nationale d'Investigation Financière. Ça veut dire gen l'argent. Alors que monsieur, à partir de compétences, monsieur, c'est yon nan nèg qui te déboîte ça, campé dans dimension, et qui a travaillé pour le pays. Parce que monsieur gen compétences, etc. Monsieur, c'est son connaît lié en matière finance. C'est ça te fait ou te bali job là. Et bien, qui ça monsieur fait la société? T'es une image, monsieur, là. Parce que pour mon cas, de qui est-ce m'a parlé? Et qu'on y a décidé, vous, bon, regardez-moi. Fon ta, ouais, monsieur. Vous comprenez? Parce que si m'a parlé de monsieur comme ça, là, monsieur pas un haïtien, mais il y a une ressemblance haïtien, et m'dou que, action, monsieur, yo, ça arrive à Haïti déjà. Pour y a un conseil de nez qui a bâillé la proposition, yo fait tout le temps. Yo fait tout le temps. Bon, moi, si m'da montré, monsieur Balthazar, bon, moi, si m'da aller rapidement là pour nous. Écoutez, monsieur Balthazar. Parce que m'a parlé de. D'ailleurs, Negio dit, monsieur, c'est représentant jeunesse masculin, m'a connu dans qui sens. Et monsieur, son dévergondé, ton déraillé. Mais, monsieur, dégage li. Non, monsieur, bail service. Hein, bail tout le monde service. Côté madame chef, n'importe le monde, c'est pas vino. Ok, même monsieur. On aime pour compte moi là, faut que je baille au plus rapide. Ok, mais tout le monde, à papa. Monsieur, le monsieur Balthazar. Et monsieur Balthazar. Ah ouais, monsieur, pas. Monsieur, pas le petit garçon. Vous comprenez, ça dit, gen sur TikTok là, si yon, monsieur là, m'a bon mentor, y'a dormi révèle. Tendez. Eh ben, monsieur, utilisez justement influence li. Et puis, ça te fait m'battre devant cette vidéo. Ah, frère, pas fin, bon moun, non? Eh ben, là, monsieur, c'est directeur à qui là? Directeur, tout nom, monsieur, c'est Balthazar Ebang Ngonga. Ngonga, qui sont gros noms dans Centrafricain, dans Guinée équatoriale, parce que papa, monsieur, encore, sont l'autre gros responsable, qui c'est proche président pays. Qui ça te prend le fait, vidéo, prend la rue? C'est parce que, justement, puisque monsieur a géré un bureau qui gagne pour acte finance, t'as semblé que l'argent commence à faire front. Qui logique? Parce que si monsieur gagne tout le monde ça pour la vie retourner, c'est sûr que gen dépense kap fait. Même si on nèg te peng cool peng. Mais depuis où nèg la gen relation à confi, la fonge sa avèl quand même. Voir que qualité moun, calibre moun monsieur gen, ça c'est ça qui passe. Monsieur c'est monsieur on nèg qui fait comment? Monsieur va nan baisser trier non même. Même moun qui tout enceinte prend coup nan même monsieur, m'pa comprendre bay ça. M'pa comprendre. Et ça fait monsieur mandé une enquête et psychologiquement yo ta doué travail sou monsieur pour connaître ça phénomène nan yé. Parce que même moun ki enceinte passe en bas ou loi, madame neveu, monsieur cousin, tout moun net passe en bas ou loi, et gen calibre moun, toute couleur pour oui passe en bas ou loi. Eh bien, c'est sûr que gen qualité plaisir monsieur apprend, soit bon en mer, nan hôtel, etc. Ça yo exige dépenses. C'est dans quatre figures ça, gen enquête. Autorité la justice yo décide mené, mais yo pa konnen non? Sauf que yo estime ta gen soupçon de corruption. C'est même travail ça ULCC a fait en Haïti. Puisque gen soupçon de corruption dans l'agence qui c'est ANIF, Agence Nationale Investigation Financière, eh bien justement, enquête a mené parce que gon question de soit 4 ou bien soit 5 ou bien 6 milliards.
l'argent yo am quoi c'est F c'est tel bagaille franc m'a fin songer non l'argent on quoi gagne n'importe 6 milliards l'argent ça que yo a enquêté sur lui qui t'a fait fond. Eh bien écoutez, le fait que l'agent ça a fait fond, eh bien vous décidez pour mener une enquête. Écoutez la société. Cependant, vous mené une enquête là, et puis là vous allez décider pour vous fouiller bureau monsieur. Ça rappelait même bagarre vous avez fait ou madame tonton dans CAS. Là vous avez mené un dossier madame tonton. Hein? T'es une équipe ou quoi? Est-ce que pas ULC c'était débarqué l'autre bois? Et puis vous entrez dans tout bureau. Yo te fait ça pour la douane sous Romel Bell par exemple. OK? Et mais là on entre dans tout bureau monsieur a investigué et yo a tombé sous ordinateur monsieur. Puisque gen l'argent qui dépensé, gen l'argent a enquêté, c'est normal yo a cherché email, message etc. comme si par qui filière est-ce que pas gen des messages qui voye à un série de groupe pour yo wè est-ce que pas gen traçabilité l'argent t'a dépensé dans mauvaises conditions. Et c'est à partir de ce moment, yo pral tombé sous yon vidéo, pas tout non, yon grain vidéo. Et puis, là yo gade vidéo, yo gen là yo wè son figure yo konnen. Yo di oh, que le directeur a la frappé tout bon papa. Et puis gen là gon nèg, bon, yo parlé de piratage, même pas quoi piratage parce que t'es gon enquête en cours. Et c'est ça te fait, l'état payant li responsable tout ça qui passé là en termes de dégâts de scandale. Bon, c'est vrai, ça t'es pas obligé pour tout monde là c'est comme si ouais bah yo comme ça vous comprenez ça me dit mais gon message tout qui voyait parce que l'organe madame qui habillé bien belle qu'elle travaille bien frais et puis les monde ça au so travail fatigué passé au pas gain mais même pied on va passer sous cabane tellement vous fatigué mais mon de l'eau chaud pas bouillir par Mario non tellement au so travail vous fatigué son pays difficile. Pourtant, c'est monsieur Balthazar qui travaille, Eh, ben, qui travaille. Ben, ça m'a des bons mondes vivent plus prudents, papa. Eh, fun prudent, papa, fun prudent. Parce que, m'a regardé, bon, madame, belle radbane dans sous, lit bien habillé, et puis, lit vini tout, toujours bon Dieu te fait là, sans en bas, et puis, lit vini dans bio chef là. Lit vini dans bio chef là, et puis, pied qui est en passé rapide. Kounia m'dou, bah, mon de la changer dans mes noms. On est là, Kounia, oblige à prier matin, midi, soir. Pour ça qui passe. Non, c'est un monde difficile. Kounia même ça qui passe, c'est que, eh bien, là, vous constatez une vidéo, il t'a semblé, ordinateur, monsieur Kounia, vient plus intéressant toujours. Pendant qu'on cherche enquête, bagaille, traçabilité, l'argent qui t'a dépensé, là, vous constatez une grande vidéo, et puis ça vient intéresser. Eh bien, qui ça qui passe, c'est que, non, cherchez, et puis vous commencez à garder plusieurs vidéos, étonnamment, yo wè en pile là dedans ce sont des employés de l'institution et là il dit ah oui et d'avoir tonton désirable c'est là il dit ah oui France CFA merci Jean Créole Saint Louis l'agence France CFA attendez oui on quoi t'as parlé de n'importe 5 à 6 milliards soit millions bien milliards on quoi t'as parlé m'attendez ça sur TV 5 mode. Eh bien, écoutez, là on commence à regarder la vidéo et puis on constate qu'il y a plusieurs visages que on connaît parmi yo visage, madame chef, directeur police, petit, gros chef, etc. Rayouergen, bah, toute assemblée femme, cousin, bagay, neveu, tout bagay, madame, mon président. Je dis, oh, ça a passé comme ça. Eh bien, c'est à partir de ce moment, et puis vidéo rapidement. Monsieur, monde ça, technologie ça, monsieur. On va qui passe juste dans Guinée équatoriale, Centrafrique, oui. Bah, il a bombardé le monde. Et puis tout média qu'on y a parlé de bagay ça jusqu'à ce que vice-président paysan qui c'était Théodore Nguima Obiang Mangue monsieur annoncé lundi à ce compte X li gouvernement pral suspend immédiatement tout fonctionnaire qui te gagné justement contact sa relation dans bureau ministère eh ben à Mouchea parce que ça constitue une violation flagrante code conduite ak loi sou éthique publique. Samdou moun yo fragile. Oui, France CFA, Jean Créole. Et samdou, tande, et ça fait moins plusieurs influenceuses là qui a plagé parole. Le moun yo habillé bien belle, etc. Comme si seule église, seule évangile, va craser les yeux. Et pour wap joure ti moun wè kap danse sou réseau. Sous prétexte qu'on pense moun sa wap belle wap gwo wap sou yo. C'est seule évangile, seule église, va craser les yeux. On comprend samdou. Et puis, pourtant, pitote plus. Penché sur yo que ti moun ouè ki toutouni sur réseau yo. Parce que ti moun ki toutouni yo, tout montre sa yo ka fè. Yo tout montre sa yo ka fè. Moun ya moun sa yo même. Chaque jour met gros belle radio sur yo.
Nous, nous avons un cas déjà dans OAVCT Haïti, nous sommes pas ça. Non, c'était deux mesdames qui tapent, j'ai tête, yo. C'était yo deux. Ça, tendez bien. Ça veut dire, là, nous gardons des bagages, ça, yo. Et puis, qui s'est passé, yo annoncé que tout le monde dans le bureau, yo net, yo prend sanction contre yo là. Parce que yo estimé que yo violé code conduite avec loi sous affaire éthique publique. Toutefois, yo dit, pour un pays, et pas pour la première fois. Vidéo conseil après la rue, côté conseil de fonctionnaires qui oblige marron réseau social yo, mais je dis à bagala pour l'autre dimension. Kounya bon ça pour garder là. Pendant chita la kayou, ou a bal blaga timoun yo, et puis ou a son téléphone, henelou, et puis l'on gade ou se maman timoun yo, ka bal taza le école. la bal taza le école. Et dit oh, et puis ou pas kite timoun yo gade bagay ça son événement. Kounya oblige, ou dit prends ti de l'eau pour moi, kounya ou al prend ti de l'eau. Qu'on y a pour chita devant téléphone nan, pour regarder monsieur le directeur de Anif Baltazar Kabal Tazeleye madame Mao rete non moi toujours me dépouille donc la société bayoti crasse mélangé dans ben nous et ça te fait vice président pays monsieur Théodore monsieur était obligé justement eh ben parler sous dossier. Et gagné semaine qui t'est passé a gagné toujours vice-président qui t'est annoncé li bay 24 heures ak ministère télécommunication ak nouvelle technologie entreprise téléphone ak tout organe qui gérait question télécommunication pour joindre une façon pour freiner diffusion image sa yo k'ap circuler tout partout dans monde là. Bon, j'aime pas dire l'impossible dans ce pays a ça te faut ouais, yo t'est obligé dans pays a réduit sous capacité internet qui gagne dans pays ça Guinée équatoriale on ti pays dans Centrafrique là oui eh ben écoutez mais j'en ba la gaille là bon ba la tout côté bon moi m'ba bon menton son moun Haïti qui fait moi quelques graines dans baio Haïti juste en dehors li Haïti oui on dit koto jeune il dit non son groupe là yo lag ce groupe là m'ba konti c'est comment le baio ça chaîne puis m'ba onti sous li ou bien chaîne paille m'ba onti sous li li dit ils sont groupe. Depuis au lagé zin li wezin. On dit oh, eh ben écoutez, puis il prend plaisir dans garder zin ça tout. Il prend plaisir là-dedans, il pas un problème. Qu'on y a obligé mandé pour qui ça on dit ça parce que on dit son paquet de femmes mariées, vous comprenez, qui participaient dans un enregistrement qualité zak sa yo, qui dégradé réputation yo ak dignité yo. Bon, quoi fin gain dignité. À son série de emploi et qu'elle travaille, puis c'est dans le bureau, à mes amis, au monde, à dit nègre, en sorti, elle dans l'hôtel. Ou elle travaille, red sou, belle wob sou, ou elle travaille, et puis c'est dans le bureau, à même, bon, gagne, moi, c'est dans la toilette, travail là. Eh ben, trois choses. Rete, eh ben, trois choses. Kounia, yo, ministère, c'est, bon, ouais, vice-président mandé, yo, by l'ordre avec télécommunication, tout moyen de diffusion, yo, etc., pour essayer capable de freiner des rives ça. Parce que son équipe femme mariée, qui donc pire fois ses femmes mariées. Le mariage, a t'y cause non papa. C'est dans des pasteurs alors il t'a parlé, il t'a prêché sur le mariage. Alors, gros responsable. Ouais, mariage là, son gros responsabilité, ou papa. Bon, la Bible a parlé d'infidélité tout. Eh ben, pas connaît. Ou pas connaît. Il dit son sac de femme mariée, etc. Comprendre. Donc, il y a ça a dégradé réputation, yo, dignité, yo. Donc, en tant que gouvernement, nous pas continuer pour n'avoir famille à détruire comme ça. C'est ça, vice-président qui chargé des affaires défense et sécurité dans le pays, l'a déclaré. D'après information qui partageait, un paquet de groupes WhatsApp qui relayé sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Il a enregistré plus passé 400 vidéos côté Mister Monsieur Baltazar à Baltazar Zélizé Mounio. Eh ben, il y aurait le monsieur Bello, vous comprenez? Donc là, c'est comme ça, monsieur, c'est un nèg marié qui c'est papa, il c'est famille, monsieur, une belle famille, monsieur, il n'y a pas de 6 petites. Il y a un nèg qui frappe tout, oui. Vous comprenez? Monsieur, il n'y a pas de 6 petites, monsieur, c'est petit temps de oui. Papa, monsieur, relé, Edjo Ngonga. Monsieur, c'est actuel président commission communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, c'est MAC. Son gros chef monsieur yé ou papa. Ça dit papa monsieur son gros chef lié. Papa c'est actuel président commission communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, c'est MAC. Et
Monsieur, c'est famille. Mon quoi président qui a dirigé, c'est ta cousin, monsieur même. C'est famille président. Et ça te fait papa, monsieur, lui dit, lui-même. Il n'a pas gagné pour un dossier ça parce que petit garçon, monsieur Balthazar, monsieur majeur, monsieur parti bébé, que monsieur assumait toute responsabilité. C'est exactement ça, monsieur dit. Donc, procureur général République, là, Ata Tolio, Nzang, non, il n'y a pas papa, lui assurer que. Eh bien, si examen médical a révélé que monsieur était infecté d'une maladie qui a été problème, eh bien, il a poursuivi monsieur pour délit contre la santé publique. Voilà. Donc, il y a une enquête pour qu'on ait. Est-ce que ce n'est pas une maladie, monsieur Gain, et puis la propager? OK? Parce que tout le monde, il a tout tenu. Il a tout tenu. Et ça te fait obliger à demander et pour continuer l'investigation pour qu'on ait. Est-ce que monsieur, c'est pour une maladie, il veut transmettre? Et si c'est le cas, il va poursuivre monsieur pour délit contre la santé publique. Donc, avec en pile mesure que vous prenez, autorité vous prenez pour freiner partage vidéo ça qui envahit les réseaux sociaux, notamment téléchargement images, etc., eh ben, qui mettait pays à non situation vraiment compliquée. Et selon information qui a circulé sur les réseaux sociaux, dit gain diffusion l'autre vidéo qui impliquait l'autre gros chef dans pays qui était capable justement, femme et garçon, et bien, qui est capable de venir dans le prochain jour. N'est-ce qu'il a fait ça en pile, papa? N'est-ce qu'il a fait ça? Donc, c'est n'est-ce qu'il a fait ça en pile? Utilisez, mesdames, vous faites chantage parce que en pile là-dedans, vous n'avez pas de gros possibilité. Vous avez tout qui est dans le bureau, mais qui n'a pas de gros contact. Et bien, monsieur lui-même, puisque son gros chef, et bien, il dit, mesdames, yo, venez à moi, vous toutes qui êtes chargées et fatiguées. Je vous donnerai du repos. Pas un problème. Son pays difficile. Ouais, m'pa djan parler sur ça, mais c'est parce que justement, monsieur, c'est pas un petit garçon comme si son simple individu comme ça. Et c'est pas monsieur tout qui publie l'image. C'est dans le cadre d'une enquête sous corruption que vous avez mené. Eh bien, vous avez atterri sous une vidéo qui est dans le laptop, monsieur, dans l'ordinateur, monsieur. Eh bien, c'est à partir de ce moment, monsieur Pral. Prenant toute tête chargée ça. L'information du jour, les gars ressemblent à tout. Oh, oui, mais en tout cas, mais pas moi, non, papa. Même, rete, nèg ça, oh, nèg sont dangereux, mon cher. Ah, moi-même, bak m'en fè, papa. Abdou, m'pa besoin, non. M'pa manye, m'pa manye, non, moi. Écoutez la société, l'information du jour, c'est que le président, l'ancien président Donald Trump, monsieur réélu président pour une deuxième fois. Ça, li, son bagage qui paraît historique. Historique parce que faut ta remonter en pile temps pour ta songer depuis quelle année t'es gagné un bagage comme ça qui t'est arrivé dans le pays. Côté que, yon président qui était sous pouvoir, li allé en élection, immédiatement après mandat fini, et li pas réélu, li obligé quitter 4 années passées, après ça, pour le retourner dans l'élection et pour le gagner l'élection, ça. Ça pas arrivé en pile année de cela. Et d'ailleurs, Trump, monsieur, c'est deuxième président qui arrivait faire ça. OK? Notez ça. Moun ki jeune yo, qui remet connaissance générale. Donald Trump, nous connaît l'âge monsieur, monsieur Gagnon. Alors, m'depre image ça avec photo professeur Gonal Monsieur le là-dedans, parce que connaît monsieur parlant pile avec nous ici. Hein. Yes, nous avons dit que Donald Trump, monsieur rivé élu président avec plus de 276 votes grand électeur que nous avons parlé sur ça depuis toute semaine. Là. Monsieur rivé élu, monsieur bat Kamala Harris, malgré toute campagne qui t'a faite, eh ben, Kamala a perdu l'élection. Campagne président Donald Trump est basée sur économie, immigration, c'est deux thèmes ça yo qui étaient plus kembé dans toute campagne Donald Trump là. Et c'est ça qui fait immédiatement monsieur élu, gagne en pile pression surtout bon côté haïtien yo. Eh ben parce que yo estimé yo menacé par rapport à l'intervention Donald Trump sous affaire immigration dans pays a. Faut me dire que président Trump monsieur gain 78 l'année, ça veut dire le monsieur a quitté pouvoir l'a gain même l'âge avec Joe Biden. Pas oublier Joe Biden, monsieur vient paraître là comme pire ancien président pays a jamais connaît. Donc Joe Biden qui obligé pas de continuer course là et Donald Trump qui tape anti crasse emmerdé
Joe Biden par rapport à l'âge li, donc monsieur pas trop différent de Biden parce que monsieur actuellement il gagne 78 l'année. Est-ce que nous comprenons? Donc le monsieur a fini mandat là bien 82, 78 plus 2 80 plus 2 ça fait 82. Est-ce que nous comprenons? C'est même l'âge là. Maintenant qui ça qui passé c'est que monsieur vini là deuxième ancien président dans l'histoire des États-Unis qui reconquérir Maison Blanche là après elle t'ai perdu réélection alors que monsieur était encore en fonction. Fonda remonter le temps avec on est Grover Cleveland pour nous remonter avec lui qui c'est premier nèg qui t'a fait ça, ça fait vraiment pile temps. Eh ben Trump monsieur li désormais ben gen même l'âge ak Biden lorsque le prend pouvoir parce que Biden jodi a monsieur vini comme pi ancien président pays a jam connaît. Donc c'est deux nèg qui fait ça, c'est Cleveland Grover et puis Donald Trump qui prend deux mandats mais qui pas consécutif. OK, si donc qui pa une après l'autre qui gagne 4 ans qui passé et après 4 ans il retournait et si monsieur te gagne plus là ça t'est arrivé que monsieur pas de gain chance ça pour te venir encore comme président. Maintenant, gros pression à bail, mais une bagaille pour nous apprendre ou bien pour qui doit attirer attention, immédiatement élection finie. C'est vrai que Kamala il prend petit temps pour le garder parce que il pas facile. Dans l'esprit Kamala, il tape élu président et en pile monte quoi. Moi honnêtement, m'pas de camper dans camp Donald Trump, mais pour qui ça? C'est par rapport à discours monsieur qui visait yon déportation massive qui gen un discours vraiment anti-immigrant. Moi-même, je ne suis pas de machin logique là parce que moi, vini, je suis moun vini. Ça dit, je ne suis pas capable comme si à aider, on est qu'à pousser haïtien qui là. Parce que si la ka été bon en pile dans nos batap là, c'est sûr que nous avons arrêté la kaye nous en Haïti. Et c'est ça qui fait un bat machin logique dans le Trump là. Mais, vice-président Kamala Harris, qui ça monsieur fait? Tendez bien, oui. Les politiciens, pour ne pas dire politiciens, les politiciens haïtiens, attendez, Kamala, li accepte que le perdu élection, li rele président élu à qui c'est Donald Trump pour le féliciter pour victoire que le gagne dans l'élection 2024. Et Kamala profite pour évoquer importance yon transfert pacifique pouvoir et nécessité pour président pour le vini président pour tout américain yo. Kamala justement qui parlait tout à l'heure et sou al gade ou après l'ancien président Barack Obama monsieur gen même discours c'est même parole la même approche non monsieur dit clairement que eh ben yo félicité président élu yo seulement voulait rappeler justement eh ben monsieur c'est président tout américain élection c'est pas en question de président c'est pas yon président mais monsieur dit que c'est président tout américain, etc., etc. Donc, c'est que nous mettons disponible une parée pour aider président réussir mandat parce que c'est président tout américain, c'est pas président on grain moun, mais c'est tout américain. Et d'ailleurs, lui-même, li nécessaire pour m'ta aller sous compte président Obama pour m'ta garder ensemble texte que monsieur écrit. Parce que nous besoin ça comme modèle pour nous avancer. Parce que tellement fait démagogie en Haïti, ça yo c'est bon exemple yo. Nous besoin yo. Monsieur écrit un texte ou regardez sur Facebook. Monsieur dit que pendant dernière semaine yo et juste jeudi à pendant journée vote la même, il y a des millions américains qui a voté, pas seulement pour président, mais pour tout dirigeant à tous les niveaux, dans tout niveau. Il dit qu'il y a résultat yo, tout le monde connaît yo. Il dit nous voulons féliciter président Trump et sénateur Vance pour victoire que yo gagne. Monsieur dit que c'est pas évidemment résultat que nous espéré, c'est normal. Compte tenu des accords que nous gagnons avec ticket républicain sous toute une série de questions. Mais elle dit, mais vivre dans une démocratie, c'est reconnaître que point de vue, il n'est pas toujours comme si il y a une priorité et il faut toujours prêt pour accepter un transfert pacifique pouvoir. Là, il tout tape Trump tout parce que Trump lui-même était dans le gourmet, il va devoir bailler Biden pouvoir. Monsieur dit que Barack Obama dit, Michel, à moi, nous pas capable plus fier passer ça pour Jean vice-président Kamala Harris à gouverneur Walz qui c'est deux fonctionnaires extraordinaires qui te mènent en campagne vraiment remarquable. Faut nous rappeler tout, moun yo pas vraiment gain temps pour mener en campagne contrairement à Trump parce que c'est là à la dernière minute et puis blap Kamala vient dans boule figure nous, il pas même gain vice-président et puis il lagon Walz dans boule figure nous, des moun imaginer que c'est pas
pi bon vice-président pour le choisi. Bon, de toute façon, mais son professeur et un coach, etc., qui était passé dans l'armée, son vétéran, donc en pile monde connaît. Pas un problème. Donc, Barack Obama dit que yo te mené une campagne vraiment remarquable. Et n'a toujours reconnaissant envers tout personnel avec tout monde qui te aide by coup de main, qui te mettait tout cœur, tout nom yo pour te bail pour voir ak fonctionnaire si la yo et que vous avez en pile confiance dans vous. Je dis comme, moi te dis pendant toute campagne électorale, ici, à l'Amérique, la traversé un paquet de bagailles pendant les dernières années. Il y a une pandémie historique, côté que, qui vient une cause, prix bagaille, yo, yo vient une tête chargée. Côté pandémie, il fait un pile dégâts, il y a un pile changement rapide qui fait. Eh bien, il y a un monde, peu importe, et fort au fait, eh bien, vous avez estimé que l'État est plus bon. Si vous êtes capable de faire plus que ça. Il dit, condition, ça a créé un paquet vent contraire pour dirigeants démocratiques qui ont dans le monde entier. Il dit, parce que la nuit dernière, nous montrer que l'Amérique n'est pas à l'abri. Oui. Il dit, bonne nouvelle, c'est que le problème, si là, est capable de résoudre. Mais seulement si nous tendez une lotte. Et seulement si nous respectons les principes et surtout les principes constitutionnels qui sont fondamentalement élément clé pour nous avancer et puis respect pour démocratie qui capable faire grandeur pays ça. Je dis dans un pays aussi grand et diversifié que États-Unis côté nous jeune toute bagaille là-dedans, il dit que nous pas toujours d'accord sur toute bagaille. Mais progrès exige que nous fait preuve bonne foi à grâce même envers moun côté que nous pas comme si fin d'accord avec vous. Ouais. Monsieur dit, bon, vous prenez parti ça. Dans un pays qui gros, qui diversifié tant qu'aux États-Unis, nous capables, pas toujours d'accord sur toute bagaille. Mais progrès, pays a exigé que nous fassions preuve de bonne foi et de grâce. Même envers si la yo, côté que nous gagnons profondément désaccord avec yo. Eh bien, il dit, c'est ainsi, nous arrivons jusqu'à jeudi, et c'est ainsi, nous continuer pour nous construire un pays qui plus juste, et plus équitable pour côté tout le monde capable égal égo et monde capable vivre plus libre. C'est déclaration ancien président Barack Obama qui félicité Donald Trump qui vini là comme actuel ou bien comme nouveau président pays États-Unis et au pral passé monsieur Flamboa et bien en janvier qu'a vini là pour commencer mandat c'est comme ça constitution d'accord élection faite novembre et puis au prend petit temps pour si toutefois ta gain contestation mais pas gagner et puis yo passé ma être là en janvier qu'a vini là moi c'est 20 janvier pas ça c'est ça maintenant et ça qui passé c'est que gain petit doute gain petit par là pile et cetera sous ça qu'a dit sous comportement monsieur te gagné dans élection yo bon. Nous pas connaît est-ce que bagaille ça après le bagou qui est sauté personne pas connaît mais on va regarder ça tout à l'heure qui ça bagaille yo yé surtout dans l'autre choix dans intervention monsieur dit que nous sont gros pays monsieur dit nous gain bagaille que personne l'autre pas gagne monsieur dit que pays ici là nous doit faire le grand faut que les plus sécuritaire c'est pas un pays pour on a porter bourré là-dedans et gon ti bémol que nous doit garder dans discours Trump là et ça te fait j'aime dit nous contrairement j'en nous gain que sauter am pas quoi comme ça parce que dans l'autre Trump ça il dit à qui juste monsieur dit que il pas gain problème avec immigrants mais il gain problème avec tout monde qui a rentré dans pays illégal monsieur dit si on monde voulait rentrer dans pays hein li supposé rentrer de manière légale. Mais ça le dit à correct. Koren met chop, ko pa remel, mais ça le dit à son vérité. C'est vrai que par rapport à la situation, bon, pile pote bourré, et puis Biden te fait non grâce. Mais, monsieur, li dit que c'est que li pap accepté pour moun a pote bourré dans le pays, hein, toute qualité moun. Li dit, si vous voulez venir aux États-Unis, faut qu'on vienne de manière légale. En nous, ah, parce que nous allons parler là avec deux, trois amis, hein, parce que. C'est très spécial, je dis encore une fois, mais on permet tout en don extrait dans l'intervention président Donald Trump. Bon, en pile, monde parle anglais. Ça ne peut pas parler anglais. On a essayé, ouais, si on a un petit résumé dans l'intervention. Nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. This campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen any young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight, when you think. I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great
analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years, we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 900, 901, something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important, because the rallies were used for us to be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great, great first term. I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. The visions of the past 4 years behind us, it's time to unite. And we're going to try, we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I've seen that. I saw that in the first term when we became more and more successful. People started coming together. Success is going to bring us together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it, because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you, and God, nobody else can do. Merci. En résumé, monsieur, justement, les remercier tout le monde, pas seulement comme si white people, monde qui blanc yo. Je remercie tout le monde, quel que soit origine, qui est un pays qui c'est américain d'origine. Je dis que l'été paraît fatigant parce que le pas qu'à imaginer combien rassemblements qu'il a fait, plus de 900 rassemblements, c'est en pile. Ça fait ma dos, monsieur, une longueur d'avance tout ce Kamala, parce que monsieur t'a fait campagne, ça fait vraiment pile temps. Ah ben, monsieur dit que il y a un pays qui sont gros pays. Il dit pas gagne qu'un autre pays qui gagne qualité ça au gagné, même monsieur dit nous gon grand peuple. Je dis pas grand ken l'autre pays qui gagne ça ne gagné. Monsieur dit que nous pral travail pour pays a gagne plus sécurité.
like safer pour un pi bon pays better meilleur pour un pays côté gain monde qui vient plus riche là dans li monsieur dit que tout combat c'est pour pays hein et nous capable faire pays avec grand encore make America great again donc n'a travail pour nous faire pays avec grand encore et monsieur bon on connaît ces questions frère bah Haïti sujet fali li pas minimiser ces questions border comme si frontière là parce que les logiques fok ben d'après ça le dit c'est que frontière là il doit gagner sécurité et personne pas venir porter bourré sur frontière là sans que yo pas gagner bagaille légal nan men yo. En tout cas Nathan Kamala qui parlait lui-même je dis tout à l'heure là Kamala parlait Kamala qui ça dit dans discours les remercier tout le monde qui t'ai fait route la clé d'ailleurs Kamala encore jeune Kamala c'est même discours ça ouais saute li pour président Obama Kamala gen même réaction parce qu'on est Trump te paraît tellement anti-crasse yo pas fin comprendre monsieur et m'a dit ça tout à l'heure avec ingénieur Moreno c'est que monsieur sonne qu'on pas fin comprendre ou pas fin comprendre monsieur et ça te fait obliger pour idan et ben puisque gan pile bay monsieur t'a dit et ben ça vient fait que et ben que mon yo anti-crasse suspect et ça te fait yo get en prend devant pour rappeler monsieur lycée président tout américain et c'est moment pour nous unir nous Donald Trump, monsieur dit ça tout, monsieur parlait de, pour nous unifier, non. Ok, monsieur parlait de ça. Monsieur dit, faut nous unir, non, en société qui divisait. Mais y'en a pas, monsieur dit qu'important discours, que m'a qu'oublié. Monsieur dit que, nous prenons le gourmet pour nous suspendre, pour nous camper gourmet, yo, guerre, yo. Oublié, y'a plusieurs guerres là qui éclataient. En particulier, guerre Ukraine-Russie. Donc, monsieur dit, nous prenons le bataille pour nous camper guerre, yo. Nous prenons le garder, qui ça, oui, Betty, vous avez fait comprendre. Eh bien, oui, nous allons regarder. Est-ce que ça, monsieur dit, ou le bras le fait, yo? Et monsieur promet pour les fixer ça. Et monsieur dit, son pays de fin de patcha, économiquement parlant. Monsieur dit, we will fix it. A dit, nous allons ranger ça. Eh ben, pas de problème. Nathan, président. Kamala Harris, vice-président. Eh ben, lui parlait tout à l'heure là. Qui ça? Vice-président dit, entendez, on extrait dans l'intervention. Kamala Harris, qui parlait, qui salue. Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon. Bonsoir. Good. Un peu de contentement. Je sais pas si vous êtes bien, ça. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, président. Good afternoon. Vice-président. Comment est-ce? Good afternoon. Thank you all. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today. Full of gratitude for the trust you have placed in me. Full of love for our country. And full of resolve. The outcome of this election is not what we want, not what we fought for, not what we voted for. But hear me when I say, hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. To Governor Walz and the Walz family, I know your service to our nation will continue. And to my extraordinary team, to the volunteers who gave so much of themselves, to the poll workers and the local election officials, I thank you. I thank you all. Look, I am so proud of the race we ran and the way we ran it.
Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalition, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country, with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the result. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny, and anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. A fight for the ideals at the heart of our nation, the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have their government telling them what to do. We will never give up the fight to protect our schools and our streets from gun violence. And America, we will never give up the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. And we will continue to wage this fight in the voting booth, in the courts, and in the public square. And we will also wage it in quieter way, in how we live our lives, by treating one another with kindness and respect, by looking in the face of a stranger and seeing a neighbor, by always using our strength to lift people up, to fight for the dignity that all people deserve. The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always worth it. To the young people who are watching, it is... I love you. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place.
You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. You have the capacity to do extraordinary good in the world. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves. This is a time to organize, to mobilize, and to stay engaged for the sake of freedom and justice and the future that we all know we can build together. Look, many of you know I started out as a prosecutor, and throughout my career, I saw people at some of the worst times in their lives, people who had suffered great harm and great pain, and yet found within themselves the strength and the courage and the resolve to take the stand, take a stand, to fight for justice, to fight for themselves, to fight for others. So let their courage be our inspiration. Let their determination be our charge. And I'll close with this. There's an adage an historian once called, a law of history, true of every society across the age. The adage is, only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light. Wow, that's deep. The light of optimism, of faith, of truth, and service. H.U. And may that work guide us, even in the face of setbacks, toward the extraordinary promise of the United States of America. I thank you all. May God bless you, and may God bless the United States of America. I thank you all. Thank you. You're welcome. OK, son discours de environ 12 minutes. Ça me dit capable dire dans grande ligne qu'elle prononçait dans discours ça. Il parlait de l'appel à justice, l'unité entre nous-mêmes. Elle y bail conseil tout avec la jeunesse, jeune yo qui parfois lors un moment ou pis fait noir, c'est jour le pral jour. Son proverbe que le rappelait la caille dans tout. Il dit que, par exemple, lorsqu'on a grand journée en clair qu'on soit cherché étoile yo pas ouais. Mais justement, pour capable avoir importance étoile yo, c'est lorsque qu'on y en a fait noir, les soirs pral rendre compte que étoile yo là. Et justement, certaines fois étoile yo qu'a vite multiplié par des millions, l'étoile capable éclairer toute une planète. Et il dit, jeune yo, c'est pas moment pour nous tristes, etc. Au contraire, c'est moment pour nous travail dur, pour nous engager, nous, pour nous prendre responsabilité, pour nous faire de pays en pays qui est plus juste, équitable, côté tout le monde a le même droit, tout le monde a le même valeur dans le pays. Ça. Donc, il félicite quand même Donald Trump, mon senti justement. Il y a un pile bagarre, il dit, gen regret parce que li pat souhaité que pays a devine tomber dans Donald Trump nan moment si là. Cependant gen pile moun ki wè ça en dans l'autre sens, qui estime que gen pile ti problème ki rive sou administration Biden nan, surtout sou question économie et question immigration, et ça te fait mdou la gen pile que sauté, gen pile pression par rapport à rive Donald Trump qui est élu comme président pays a.